Agnès Martin du Lang se construise ou se reconstruise Laurie, puisque vous êtes un petit peu avec les titres de cette rencontre avec donc, Agnès Martin du Lang. C'est pas votre première fois à Lyon. Bonjour à toutes et à tous. Non, c'est ma seconde fois. J'ai venu à la précédente édition en 2019. D'accord. Alors, vous avez fait les deux années. Moi, c'est la deuxième fois. Oui. Que la seconde. Oui. Donc, vous venez pour la deuxième fois et pour votre neuvième roman, parce que si je sais combien de romans vous avez pas sur moi. Oui, vous avez ça, vous avez de Agnès Martin du Lang. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas ce jour zéro. Je pense que ça va vite être préparé. Si vous voulez bien commencer justement par ce dernier pour voir de quoi il s'agit et voir comment il se traite aux thématiques des précédents, parce que de fait, il se traite grandement aux thématiques des précédents. Il y a quelques questions quand même. Voilà, ça commence à être assez clair. On va entre autres la résilience, entre autres aussi la transmission, entre autres ce qui va très très. Gros traits des victimes qui vont justement essayer de se réparer dans une autre, dans ce qu'aux USA on appellerait justement le mythe de la seconde vie, justement, la seconde chance, pouvoir se recommencer ailleurs dans une autre contrée, c'est-à-dire précisément de ça dont il s'agit dans la Dacha, puisque c'est une demeure qui est tenue par un couple. La Dacha s'appelle ainsi en hommage et en mémoire à celle qui a été la dame du couple Machin. À un moment, le couple de tenanciers de la Dacha, a choisi de prendre sous son aide, puis à son service, puis les deux, une autre femme qui va être l'autre héroïne du roman, qui va justement, on va découvrir comment qu'est-ce qu'elle vient en fait. Réaliser comme résilience et comment tout ça va se développer à l'histoire du couple et de la maison. Alors, on peut partir du principe que toutes les entités que je viens de nommer, la maison, Macha, le couple, sont les personnages principaux du roman. On peut partir du principe que le personnage principal du roman, c'est celui qui le titre, à savoir la fameuse Macha. Alors, du coup, la question se pose, au départ de ce roman, qu'est-ce qui a tenu en premier? Est-ce que c'est le thème, justement, on va dire, cette jeune femme, que vous voyez comment elle va se remettre ici, parce que c'est ça? Est-ce que c'est l'histoire de la maison qui, du coup, enferme et symbolise toute l'histoire des personnages? Ou alors, est-ce que c'est ce couple de financiers ou est-ce que c'est machin? Quel est le personnage qui était au départ de cette histoire, mais encore plus que vous avez ensuite tiré? C'est l'hôtel, c'est la dernière, en fait, le contexte de l'hôtel, je pourrais après, depuis plusieurs années, en fait, j'avais envie d'écrire de raconter une histoire qui se passe dans un hôtel. Pour mes précédents romans, voilà, j'avais pensé, j'avais compris ce qui ne se passait pas avec les personnages. Et donc, au printemps 2020, quand j'ai commencé à penser à un nouveau roman après la sortie de Résilience, l'hôtel est revenu à nouveau en porte. Je me suis dit, c'est pas possible. Qui peut être dans cet hôtel? Et Hermine et Joe et Macha se sont imposés, en fait. Et voilà, il y a eu Hermine à 20 ans, quand on a rencontré au tout début du roman en errance totale, et ce couple, immédiatement, en fait, Par rapport aux autres, c'est vraiment à chaque fois, enfin, cette question toujours avec qui j'ai envie de passer du temps dans ma tête, à quel genre de personnalité j'ai envie de confronter. Donc, par rapport à Joe et Macha, ils sont imposés véritablement quelques questions avec leurs origines à l'un et l'autre, de la posture, de la solitude.
se mélange pour tout et qui se réjouit chez machin, et je me suis demandé, mais quelle est l'histoire de ce couple? Et derrière, voilà, il y a toute l'histoire de Joe et machin, la manière dont ils ont créé leur famille, et donc l'arrivée de la fille, etc. Et puis, ils arrivent en fait. Ça peut paraître un peu fou, mais les personnages débarquent en fait, les uns après les autres, avec leurs valises. Et j'essaie de voir comment ils se rencontrent, comment ils cohabitent, qu'est-ce qu'ils apportent les uns les autres, comment ils se plaisent, comment ils s'aident. Je vais faire une autre chose comme ça. Alors, dans les mots du naturel, par exemple, ça paraît toujours naturel, ça paraît toujours, oui, voilà, une personne qui arrive, on les écoute, on les connaît, on les bouge, etc. Mais pour nous, le commun des mortels, c'est un peu plus. Alors, après. Oui, parce qu'en fait, c'est pas si évident que ça. De t'imaginer un personnage, de le faire tenir debout dans une histoire, de rencontrer d'autres personnages, une histoire que vous avez envie, dont il faut qu'elle vous corresponde, dont il faut qu'elle soit claire ensuite au lieu d'aller. Qu'elle soit claire dans votre enfance, qu'elle soit claire dans votre esprit, bah, ça ne sert à rien. C'est pas toujours le cas. Il y a des moments, c'est pas tout clair. Ah ben oui, parce que, au fur et à mesure, autant les premiers moments où j'avais quelque chose de très défini dans ce que je voulais. Raconter, j'avais un plan très détaillé. On va dire que sur les 3-4 raisons, c'est plus du tout le cas. Donc, je commence à écrire, je ne connais absolument pas la fin. Je voulais que certains personnages, en tout cas les personnages secondaires, gardaient une part de leur secret. Et c'est ce qui s'est passé pour la tâche. C'est-à-dire que les deux plus grands associés que j'ai rencontrés, ce sont Marie Samuel et Bastille, qui ont quasiment attendu la fin du roman pour me raconter leur histoire à eux. Donc, c'est un grand vertige, mais en même temps, comme si je me laisse complètement absorber par le personnage principal, il y a des choses que je ne vois pas. Comme elle ne voit pas certaines choses, elle ne comprend pas certaines choses. Et effectivement, ça peut paraître schizophrénique quand je raconte ça, mais j'entretiens les conversations avec les personnages secondaires en leur disant, enfin voilà, ça va être la vie, c'était l'un après l'autre. Donc, ça s'attaque à un moment, parce que j'en ai marre de ne pas savoir, je ne comprends pas, je sens qu'il y a quelque chose, mais quoi en fait? Et il y a une espèce de magie qui se perd à un moment où tout devient rapide, et parfois ça arrive uniquement à la fin. Alors quand ça devient rapide, comment ça s'exprime? Comment est-ce qu'un personnage, comment est-ce que vous pouvez vous démontrer que c'est le deuxième roman? Enfin, pour expliquer, pas encore plus. Comme vous en dites, vous maîtrisez justement dans votre écoute. Oui. Des personnages, de votre écoute, de vos obsessions. Donc peut-être êtes-vous plus appuyé sur justement comment est-ce que j'écoute mes propres obsessions, comment est-ce que je sais faire le tri entre ce qui est clair, ce qui ne l'est pas, ce qui peut être soluble dans une fiction, ce qui ne peut pas être soluble dans une fiction. Comment ça se, au bout du 9e roman, comment ça prend ces écoutes des personnages qui est bien, on a la fin du roman, il y en a quand même un qui me parle. Il y a quelque chose, je pense que c'est. Moi, j'ai mis par analyser ça de cette manière. Mon intention, en fait, enregistre tout un tas d'informations au fur et à mesure de l'avancée de l'écriture. Et puis, c'est vrai que quand j'arrive comme ça à des moments qui sont censés être très importants, voilà, des passages où il doit y avoir une révélation, où il doit y avoir quelque chose de compris, je suis en train d'écrire, en fait, tout simplement. Et puis, où il y a un dialogue, où il y a une forme de narration, il y a quelque chose, il y a des phrases qui sortent, en fait. Mais certainement, en fait, je le gardais autour de moi depuis presque le début, comme si j'allais arriver à un point d'histoire pour que finalement mon attention soit capable de le faire devenir conscient et de le faire sur le papier. Et par exemple, comment ça s'est passé pour alors un titre qui est clair, qui est en résonance, qui vous résume, symbolise, présente au cœur de notre cœur du volcan, nos résidences, avec les fameuses APA, qui envoient le pas à la famille, et puis ça ne va pas toujours être facile, qui va quand même essayer de toujours dépasser, un, sa propre passion, deux, les sur ce personnage-là, justement, comment est-ce que vous l'avez écouté pour qu'à chaque fois, il puisse défiler sa famille, son grand-père, avec ses voix, sa propre classe, etc. Je dirais qu'avec Carole, on a beaucoup fait tous les deux, en fait. C'est-à-dire que,
moi j'avais quelque chose que je protégeais avant, en fait, aussi de jugement, etc. Donc je le retenais beaucoup. Et puis je ne sais pas, il y a eu un moment où j'ai compris, nous avons compris tous les deux qu'il fallait être très en vrai, qu'il fallait être très, c'est une question d'être valide, en fait. C'était une question de survie aussi, quand même, de rester en vie par rapport à tout ce qu'il avait été en train de traverser. C'est vrai que j'y avais comme ça, mais tout ça se faisait dans la douleur. Je la sentais se déployer aussi et assumer qui elle était, assumer ses envies, assumer ses désirs, assumer ses chagrins. On est passé du repli, de la contraction à quelque chose qui est ouvert pour elle. Comment ça s'est passé? Parce que tout ça a été au cœur forcément aussi de vos romans précédents. Il y a eu le premier qui d'ailleurs a eu une suite. Est-ce qu'il y a eu une suite? C'est bien parce que les renvois à creuser avec la même personne et pas la même fois. Comment justement, parce que c'est pas la seconde, il y a eu une suite. Peut-être pas la dernière, peut-être pas la seconde, après vous êtes fait. Pour le moment, il n'y a rien d'autre que creuser ensuite. Voilà. Je pense que c'est une question. Comment justement, à quel moment on retient à quel âge je ne sais pas si tu disais avec Diane, avec Colin, avec un truc, à quel moment on a la même Diane, je vous avais à la fin des gens de Rue de Bois, parce que je n'avais pas suivi avec elle. C'était très clair. On avait fait la moitié du chemin. Elle, vous n'avez fait que la moitié de son chemin, et moi, vous n'avez fait que la moitié du chemin avec elle. On avait encore quelque chose à dire entre les deux. Pour autant, il fallait une pause, en fait. Déjà, pour moi, par rapport à ce que j'étais en train de construire en tant qu'auteur, les gens de rue qui doivent être faits, c'est mon premier roman, je ne voulais pas enchaîner tout de suite, en fait, il y avait une pause entre Diane et moi, donc il fallait que je sache. Si j'étais capable aussi d'être avec un nouveau personnage, de côtoyer un nouveau personnage, je ne voulais pas m'enfermer en fait dans l'histoire de Diane. Donc voilà, j'ai eu le besoin d'écrire une toute autre histoire entre les deux. Et après, voilà, je ne sais pas si tu avais acquis un peu de maturité ou voilà, il fallait y aller. Voilà, au bout de 1 an et demi, c'est revenu, et il fallait que je m'arrête avec elle, il fallait que j'aille beaucoup plus loin, il fallait qu'on finisse de grandir toutes les deux, en fait. Et donc, ce sont souvent des héroïnes chez vous. Oui. Comment est-ce que ce truc, je pense que le romantique ou la romantière, ça n'est pas une question des gens, l'héroïne, etc. C'est vraiment quelque chose d'infiniment supérieur par en termes de tout ça. Comment je vous ai dit que c'est une héroïne, justement? Ça s'est fait comme ça jusque-là. Après, c'est vrai que dans mon cinquième roman, j'ai toujours cette vision en tête, il y a un double point de vue avec Yannis et Vera. Pour un peu, Yannis, en fait, il fait tellement de bruit. Et qui dit, ça faisait vraiment 30 minutes, il n'arrêtait pas de me dire, non, mais attends, moi j'ai vachement plus à raconter, en fait, c'est bien gentil que je vais raconter cette partie de l'histoire, mais c'est moi qui ai dit tout ça, donc je vais souvent parler. Et je l'ai laissé faire, en fait. J'ai résisté un peu au début en me disant, bah, j'ai toujours écrit que dans la tête d'une femme, ça n'a peut-être pas été facile que ça. Et en fait, finalement, ça a été fluide, ça a été naturel, et j'ai continué à réaliser avec beaucoup de bonheur, il m'a fait rire, et puis j'ai tout fait avec lui, et c'est un exercice que j'ai vraiment aimé, et que je ne m'interdis pas en fait. C'est-à-dire que si j'ai un personnage masculin qui s'impose et qui a envie de parler, ben, je laisserai parler en fait, sans poser la question. En fait, de l'instant, ça vient que ça a du sens dans ce que je veux raconter. C'est pas suivi. Alors, c'est vrai, par contre, je rebondis sur une résilience. J'ai beaucoup entendu, mais je veux savoir ce que ça lui pense. Mais en l'occurrence, c'était pas cette histoire-là que je voulais raconter. C'était le point de vue de l'autre, du conjoint ou de la conjointe. Je voudrais faire adapter l'histoire à part l'accident, mais c'est la vie qui raconte. Ça s'est fait comme ça. C'était à part qui n'avait pas l'accident. Parce que voilà, ça ne faisait pas sens dans l'histoire que je portais à l'intérieur de moi, c'était ce point de vue-là. Donc, si ça fait sens, et si je
sorte le point de vue d'un personnage masculin, et bien, ça sera lui qui parlera, en fait, et pas l'autre. Ah, c'est aussi le moment où la poète, l'opinion de Yannick apparaît en lui. À quel moment ça, vous l'entendez? Est-ce que c'est rapidement? Est-ce que c'est un moment? Et puis comment ça s'impose? C'est venu, j'ai toujours en fait de nombreuses semaines où je confie, je limite le professeur, je leur demande un petit ton, les uns les autres. Donc au début, en fait, peut-être par facilité, mais ben voilà, c'est des rapides qui racontent etc. Et puis en fait, plus j'avançais dans cette réflexion, plus je prenais des notes, plus en fait, il y avait un autre jeu qui apparaissait, et ce jeu, c'était Yannick en fait. Donc, et à un moment, je me suis dit, ben oui, en fait, il y a tellement de choses à dire, je raconte l'histoire d'un couple pris dans la tourmente, ils sont deux en fait. Donc je ne peux pas en juste un, et justement, ça va être intéressant parce qu'ils ne sont pas au même niveau, ils ne sont pas au même endroit, ils ne vont pas du tout traverser le rapport à cette autre personne, enfin, à cette personne secondaire existant. Donc, Yannick doit parler en fait. Je veux savoir que Yannick va t'en rendre. J'avais aussi envie de rentrer dans cette fusion avec lui. J'écris mon premier chapitre, etc. J'arrive au chapitre suivant, je me dis, bon, à nous, est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il va me dire, voilà. Et bien, c'est lui, en fait. Et je me suis dit, oui, dans cette histoire-là, c'est naturel. Et c'était, à chaque fois, je me demandais quand j'arrivais à la fin, justement, d'un passage avec l'un ou avec l'autre. Comment le lien va repasser, et ça se faisait immédiatement en fait. Et il me manquait l'un et l'autre. C'est-à-dire que quand j'arrivais au terme d'un chapitre avec Vera, alors je suis triste de laisser Vera pour quelques pages, mais en même temps, ouais, je viens de retourner avec elle, j'ai envie de retourner dans sa tête, je veux, où est-ce qu'il en est? Il va rester ravantement, on va raconter tous les deux le truc en vie. Alors, il trouve que si on prend la totalité à ce jour donc, de vos bonnes romans, on retrouve un schéma qui, dans un langage différent à chaque fois, mais maintenant, des écabossés qui vont essayer de se décabosser. Parfois, pour décabosser, on rencontre quelqu'un d'autre, parfois, ça décabosse, parfois, ça y arrive. C'est ça, de ça que vous êtes soit pour les clients, soit le processus pour être heureux, puis ça va peut-être foirer, ça va peut-être pas foirer. Voilà. En tout cas, c'est ça, le tronc commun qui peut permettre pour le socle de votre travail culturel. Qu'est-ce que vous avez l'impression de chercher, d'avoir trouvé, de continuer à chercher, à gratter, à ausculter, puisque vous êtes de ces écrivains qui remettaient dans le même sillon, voilà, pour le mettre peut-être au cas à chaque fois, en tout cas vos personnages, en tout cas vos histoires, mais le sillon c'est un qui est ni un défaut ni une qualité, c'est juste un fait, c'est très bien comme ça. C'est juste que vous y mettez votre graine à chaque fois. Qu'est-ce que justement vous continuez pour la tradition, vous continuez, qu'est-ce que vous avez l'envie d'en trouver, d'avoir envie de continuer à chercher, d'approfondir? Alors déjà, ce processus justement de déconstruction, reconstruction, construction, c'est quelque chose qui me fascine. Je trouve ça, enfin, oui, je pense que ça vient aussi de sa formation de base de psychologue clinicienne, qui vient en fait pourquoi on s'est formé, qu'est-ce qui s'est passé, parfois c'est une poussière en fait, dans le rouage de la vie, d'un cercle de s'effondre. Mais pourquoi? Pourquoi et comment on peut aller plus loin? Et c'est vrai qu'à travers voilà, différents thèmes, différents accidents de la vie, je vais de plus en plus loin et finalement je crois que je cherche à apprendre à chaque fois quelque chose sur l'être humain. Et sur moi-même, très clairement, alors autant comme je n'ai rien vécu de rapport à mon thème des personnages, c'est de la fiction pure, mais finalement à chaque fois, à la fin,
ça m'a apporté en fait un nouvel éclairage sur la vie, sur les questions spécifiques, sur les accidents de la vie et comment, bah, au moment là, on peut s'en sortir à travers des parcours plus ou moins compliqués. Enfin, voilà, le parcours dernier dans la Dacia a été permis en quatre ans de vie, quoi. Maintenant, on a plus de 20 ans, elle est à la rue. Vraiment dans quelque chose de très violent. On compare à nos résidences, à la SASU, c'est une petite famille qui va très bien, qui ont leur boulot du quotidien de tout le monde, mais il y a quelque chose, il y a une extrême violence qui arrive et qui bouleverse tout. On croit que ça va bien, en fait, eux, sur le papier, tout va bien, et en fait, c'est cette accident qui va être révélateur. Et par contre, dans cette histoire-là, c'était ça qui m'intéressait. C'était comment, en fait, on ouvre les yeux sur qu'il y avait peut-être quelque chose à changer avant. On ne pouvait pas le voir, c'est tellement confortable de ne pas avancer, ça ne serait que des petits moments du quotidien. Alors que finalement, on va aller vers du mieux, on va mieux se connaître. On va pas comprendre. Moi, ce n'est pas forcément la quête du bonheur qui m'intéresse. C'est que mes personnages, à la fin, ils soient capables de se regarder, en fait, de dire que je suis comme ça. C'est bien, c'est pas bien, mais je suis comme ça. Et puis, je vais essayer d'avancer en étant tel que je suis et en m'assumant. Avec des désirs, des conflits, des soirées, des talents qui ne veulent plus aussi. Donc, vos personnages, là où ils ont assez tôt une identité, là où bien sûr ils continuent à avoir une identité, c'est qu'ils ne sont pas soit plus mauvais, soit plus bons, soit plus angéliques, soit plus intéressants. Donc, comment est-ce que vous les construisez les uns par rapport aux autres? Parce qu'à chaque fois, il y a toujours évidemment une interdépendance entre les protagonistes. Donc, qui vous trouve-t-il que les symptômes de l'un à son risque et que vous trouvez de l'autre et vice versa? Comment est-ce que vous construisez le puzzle de vos personnages? Comment est-ce que vous avez des tests que chacun portait, etc. Mais donc, ensuite, tout ça se décrit pour nous. C'est vrai que quand il y a les contours du personnage principal, derrière, c'est. Qui va vous tuer? Quelle est la personnalité qui va les tuer quelque part? Qui va ou effectivement caresser ou faire du mal? Une manière de faire avancer, en fait. Qu'est-ce qui peut. J'en reviens en termes de sujet parce que. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans la vie, en fait. On ne sait jamais qui on va rencontrer, on ne sait pas comment les gens de notre entourage peuvent évoluer, finalement, et on peut passer de fortes amitiés à quelque chose qui va se visiter au fur et à mesure, parce qu'il y a une évolution, comment la vie va évoluer, et on va évoluer pour faire la principale, en fait. Moi, comme je me dis dans la tête du personnage principal, et logiquement, je demande à qui moi j'ai envie de me confronter. Des gens que je ne connais pas dans ma vraie vie, en fait, des personnalités que je n'ai pas eu l'opportunité de côtoyer. Et là, c'est avec qui j'ai envie d'aller un peu au combat, en fait. Parce que, comme je pars du principe, que je finis par le comprendre aussi avec le temps, que chaque roman m'apportait quelque chose, il me laissait quelque chose. Dans mon évolution personnelle, du coup, je veux rencontrer, en fait, je vais à la rencontre de personnes que je ne côtoie pas, en fait. Donc, finalement, il y a un côté, ça va dire, même quand ce n'est pas joli, je vais y aller, en fait, parce que ça m'interroge, quand ça me renvoie aussi à mes propres questionnements et à mes propres conflits. Alors, vous avez un rythme soutenu, hein, parce que là, c'est le deuxième roman, et le premier a été publié du 22 juin 2013, donc c'est pas le même roman en 9 ans, et donc c'est un rythme sur un petit peu dans les mains. Qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir bien appliqué comme arme littéraire? Parce que pour avoir un tel rythme, donc ça veut dire qu'avoir une assurance en soi, ça veut dire qu'on peut l'éditeur. Il peut compter sur un roman de vos parents, en plus qu'on se retrouve chaque fois au printemps. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous devez mettre 6 ou 8 mois à l'été, après le temps de la révision, puis la proposition,
point à écrire une histoire. Donc ça veut dire qu'il y a une assurance en soi censée qu'on va pouvoir normalement, à partir de qui ou à part, on va souhaiter une radio tragique à une autre, on sait qu'on va pouvoir écrire un roman, qu'on arrivera à trouver un thème à une histoire compétente, etc. Pas de la tout le monde. Donc, ça veut dire une assurance. Est-ce que vous avez. Quel supplément d'assurance? J'ai l'impression d'avoir un petit supplément depuis 9 ans parce qu'on a une maîtrise de ses personnages parfois, de son dialogue de son poids, de la véracité de ses personnages, de ses enquêtes de terrain avant de composer une histoire. Qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir un petit peu d'assurance supplémentaire depuis 9 ans? Mais en fait, je dirais que c'est presque tout à l'heure. C'est-à-dire que. Déjà, je suis directement parce que l'écriture me manque. Très bien, il y a un manque qui compte. Quand j'ai dit au revoir au roman, à mes personnages, très vite, il y a comme une sensation de vide avec laquelle j'ai besoin de retourner, en fait. J'ai besoin d'avoir du monde là-dedans et de redémarrer quelque chose. Mais en fait, alors. Il y a forcément des choses sur lesquelles, oui, j'ai des assurances aujourd'hui, mais en même temps, tous les ans, parce que pour le moment, ça s'est passé comme ça, en fait, tous les ans. C'est-à-dire que je ne me l'impose pas véritablement. Le jour où j'aurai besoin d'avoir plus de temps, je le prendrai, en fait. Tous les ans, c'est la question, est-ce que je vais être capable de recommencer? Est-ce qu'il va y avoir une rencontre qui va s'opérer? Est-ce que je vais me sentir bien avec l'histoire qui commence à germer? Est-ce que je vais la porter en fait? Est-ce que je suis prête à ce que ça. Voilà, c'est un truc quand même littéral pendant 2 mois. Il y a toujours en fait cette attitude et en même temps ce vertige qui me dit bah oui, je vais y aller en fait, je vais aller au combat d'une certaine manière. Mais en même temps, à chaque fois, je me dis où est-ce que je peux aller. C'est le défi en fait que je me lance parce que d'année en année, j'ai des obsessions, j'ai des crises en fait de thématiques qui reviennent, mais j'ai envie d'aller plus loin dans l'écriture. En fait, au fur et à mesure, oui, il y a des formes d'automatisme. Ça, c'est très clair, je ne vais pas le dire. Mais il y a comme aussi une levée de censure qui se perd avec les années. Je me dis, tiens, je vais aussi essayer d'écrire de telle manière ou de telle manière. Je vois si ça passe, si ça passe. Mais voilà, après, avec l'idée, peut-être que ça ne va pas fonctionner en fait. Et si ça ne fonctionne pas, vous m'attendez, je me suis trompée, j'aurais essayé. Je m'interdis, je dirais que plus les années passent, moins je m'interdis de choses, et du coup, en même temps, à chaque fois, j'ai une assurance en moins. Certes, il y a une forme d'habitude qui est vide, mais j'essaie toujours d'aller vers l'inconnu. Et par exemple, après la parution de la note-là, quel défi vous avez perçu, quel défi vous avez utilisé, quel défi vous avez relevé la provenance, donc vous êtes encore au milieu de est-ce qu'il y a des choses, des défis justement, qui se sont posés un jour et puis qui n'avaient pas encore trouvé la clé justement, ou le personnage, ou le lieu peut-être, ou la date de la maison de demeure, pour les traiter? J'en ai pas forcément de. J'en ai réglé quelques-uns. Donc certains, j'ai commencé, on va dire, dans une forme d'écriture par exemple avec un nageur. Voilà, j'ai fait des chapitres, des narrations beaucoup plus extérieures, que j'avais jamais fait avant. Mais voilà, je pense que c'est une sorte de joli machin. Mais si j'ai commencé, j'ai envie encore de graver ça. Est-ce que ça sera dans le prochain jeu? Je n'en sais pas.
le fait d'être en état de conscience, voilà qu'il y a tellement de possibilités en fait. C'est vrai que je me rends compte en fait avec l'évolution de l'écriture, il y a des côtés qui peuvent s'opérer auxquels je ne suis pas préparée. Donc, j'ai tellement envie encore avec j'ai tellement de changements possibles devant moi. Les voies sont infinies, les points de vue sont infinis, les conflits sont infinis, et puis peut-être qu'un jour, voilà, je ne parlerai plus de vision. C'est quelque chose, je me dis, je vais peut-être un jour ou l'autre régler le problème avec moi-même et essayer de me confronter à d'autres choses. Alors, entre les mots de résidence, je voulais terminer par ça avant de passer la parole. Bien sûr, on va ensuite un petit quart d'heure et je suis peut-être nombreux et nombreux, donc on vous passera le micro. Cette date de résidence, il se trouve que vous êtes donc apparu en littérature il y a 9 ans. Et c'est depuis en gros ces 12 dernières années que, dans la fois, les débats politiques, pour ce qui concerne les choses comme la colonisation, etc., et des choses sociétales de perte de résilience. Puisque c'est à ce moment-là, en gros, dans les années 2010, que Boris Cyrulnik a démocratisé, qu'il est apparu dans les éléments de langage des politiques, de nous autres, les journalistes, beaucoup de corps de métier où il n'était pas présent avant. Donc maintenant, le terme de résilience, il est partout, tout le temps. Alors, ce n'est pas lié à vous, comme vous le prenez mal, mais n'empêche que vos histoires sont apparues à un moment du monde où ce terme-là était pour les enfants, les adolescents, les parents et les grands-parents que nous sommes, un mot communément admis. Alors qu'avant, on avait toujours de vous expliquer, on avait plus de mal. Comment est-ce que vous intégrez vos propres histoires et vos propres obsessions dans ce ancien exemple. C'est connu maintenant ce mot que je travaille là, je peux même le titre, c'est tellement connu que si je titre un livre en résidence, les gens vont pas chercher dans le scénario pour voir ce que ça veut dire résidence. Ce que je peux le titrer, c'est clair. Comment est-ce que justement vous vivez ce fait-là d'être apparu en fiction avec ce thème-là dans un moment du monde où justement il était communément admis ce terme? Alors c'est vrai que, en même temps, il faudrait lire au monde pour être titré avec ce mot. Bon, pour la petite histoire, quand de nos résidences, j'ai dit que nos résidences politiques, on était tendre passé par le Covid, il y avait pas eu la grande opération militaire qui s'est appelée nos résidences, que j'ai pas fait un peu vraiment dans la télé quand j'ai entendu ça, que la sortie du moment avait été repoussée, puisque nous étions confinés. Et nous voyons l'intervention de notre président de la République qui a lancé la grande opération résidence. Oui. Je dis non, mais non, mais non, mais pas ça, pas ça, mais surtout pas ça, en fait, je suis des commentaires. Mais bref, ce qui est marrant, en fait, c'est que sur tous les coups d'avant, c'était les autres qui parlaient de résidence sur des écrits déjà de moi. On m'a mis dans cette position-là, en fait, de dire que j'écrivais des histoires sur de la résidence. Moi, j'ai fait une histoire sur construction, déconstruction, des gens qui font la tienne, c'est que j'ai eu pas trop mal à la fin. Je mécanisme de ici, en fait, c'est ce qui m'intéressait, et parce que, voilà, je viens de là, en fait. C'est ma formation, et même si je dis au-delà, je ne dis pas la vie des personnages, mais je ne peux pas m'en faire. Ça fait partie de moi et j'aime comprendre ce qui se passe chez eux. Puis après, quand le titre est arrivé, le roman a été en phase finale. Comment je l'appelle depuis là? Je fais quoi avec cette histoire? Et là, ça s'est imposé en fait pour celui là. C'est-à-dire que moi, j'ai presque du mal à considérer que les autres sont des histoires de résilience, contrairement à celui-ci. Et en même temps, les résilience, pour moi, c'est pas une histoire de résilience que je raconte dans celui-là. Je les ai amenés au début de la résilience. C'est comment ils y arrivent, eux. Et après, est-ce qu'ils ont véritablement le coup de la résilience? Mais
j'ai presque fini moi aussi par en avoir marre dans ce mot-là. Mais je dis que je. Sur l'histoire de scène avec les gens heureux qui boivent du café et les gens qui ne t'inquiètent pas, dans ma tête, c'est pas une histoire de résilience, c'est un parcours de deuil. C'est pas la même chose. Même si le processus à la fin peut être similaire, mais c'est un processus de deuil que je raconte. Ça a une spécificité qui n'a rien à voir avec le parcours de Diane, n'a rien à voir avec celui d'avant. Diane, on est dans le deuil. On est comment accepter de vivre avec le souvenir des autres et essayer de reconstruire. Mais c'est le deuil, c'est la mort. Là, il est dans nos résidences, ce n'est pas du tout question de la mort. Donc, il y a une spécificité à chacun de ces parcours, en fait, pour moi. Donc, pour moi, c'est celui-là qui parle de résilience, ce n'est pas forcément les autres. Merci beaucoup. Thank you.